C'est génial en fait, on fait pas, il n'y a pas assez de RP à pied. Voilà, je développe du RP pied, du RP pied, RPP, RPP. C'est du RPP que je fais. Roleplay à pied. Alright, I'm gonna show you guys. I'm being pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Oh, ne me dites pas que c'est ça. C'est ça mon église. J'ai failli crever. Oh my God. Seigneur. Seigneur, accueille-moi dans ta demeure. Nous sommes réunis dans cette sainte maison de notre Seigneur afin de célébrer notre première messe. Tu es dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et les moissons. Seigneur, je te rends gloire, toi et ton papounet, pour votre bienveillance sur cette ville. Seigneur, bénis cette ville qui nous attend à ta portée et qui aide ou qui n'aide pas, ça dépend. Je vais kiffer. Elle est magnifique. Elle est magnifique, l'église. Elle est vraiment somptueuse. On peut pas accéder en haut. Ah, putain, si on pouvait accéder en haut, ça serait le feu. T'imagines? On dirait, vu qu'il y a des escaliers. Merde. Merde. Non, c'est fermé. Ah, c'est dommage. Malade, coup de soleil. What? Oh Seigneur, tu m'as éclairé de ta lumière. Oh ben je vais me rendre à l'hôpital. C'est le Seigneur qui m'a éclairé. Je vais appeler un taxi. Elle. Besoin de me rendre à l'hôpital, s'il vous plaît. Attends, mais pourquoi j'appelle pas l'hôpital directement, peut-être? Non, oh, trop tard. Non, je vais pas les appeler pour un coup de soleil. Ah, il est là. Excusez-moi de l'attente, mon fils. Pas de problème, allez-y. Oh, bah je suis monté à côté de vous. Y a pas de problème, oui. S'inquiétez pas. Vous allez bien? Je vais bien, effectivement, je vais bien. C'est une agréable journée qui commence pour moi, enfin soirée, un début de soirée maintenant. Ouais, bon, c'est assez calme. Hein. Oui, c'est relativement calme. T'as fait du bien de temps en temps? Oui, 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 oui. J'ai découvert mon nouveau crèche, l'église, qui est fort sympathique. Belle église. Ah, vous êtes pardon, je sais pas comment on appelle ça, enfin le père, le... Je suis, oui, vous pouvez m'appeler mon père, bien sûr. Il n'y a aucun mal. Je suis d'accord. Le révérend Atticus Woodhouse. Enchanté. Révérend, d'accord. Enchanté. Oui. Hein. Bah, moi de même. Moi je suis des taxi, chauffeur de taxi, c'est... Arthur de Woodhouse. Vous êtes un peu la chariote de notre Seigneur. Oui, on peut voir, oui, ça comme ça. Bah oui, oui, on va le voir comme ça. Pardon, c'était à l'hôpital, hein, c'est bien ça? Oui, voilà, j'ai attrapé un petit coup de soleil, donc je voulais voir un docteur afin de me soigner, tout simplement, parce que la prière n'est pas suffisante parfois, mon fils. Ah oui, bah, après, des fois, si on attend assez, ça peut venir. Hein. Oui, mais vous savez, par mesure de précaution. Ok, bah, je sais pas que du coup, il y avait un révérend à l'église, ça, j'ai toujours vu vide, mais... Oui, mais je suis arrivé d'ici peu, hein. D'accord, d'accord. Donc justement, je ferai peut-être une messe prochainement. Je vous enjoins à venir participer à l'église de Los Santos. Ah, c'est vrai que je suis pas trop croyant, mais. Mais pourquoi ça pas? Peut être une première. Écoutez, si vous avez besoin de, ne serait-ce, vous savez, je suis aussi à l'écoute. Hein. Peu importe votre croyance, c'est de mon devoir de savoir écouter mon prochain. D'accord. Ah bah écoutez, oui. C'est noté. Hein. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée, mon fils. Dans oui, la du coup, joie. Vous venez d'arriver en ville, c'est ça? Oui, voilà. Ok, bon, bah, du coup, bah, c'est chaleureux. Non, non, c'est... Laissez-moi vous régler. Tout travail mérite salaire. C'est gratuit, hein. Pour les nouveaux arrivants, on ne facture pas. Bah, c'est très généreux à vous.
C'est un cadeau. Et vous sauriez où je puis-je trouver une auto sans permis? Ça, je ne sais pas. Bah, normalement, en fait, vous en avez une. Alors, si vous regardez le GPS, je vais vous le mettre. Oui. Je vais l'indiquer ici, sur le garage public de l'aéroport. En fait, il y a une voiture qui vous est offerte par la ville à votre arrivée. D'accord. Très bien, très bien. Eh bien, il est fort probable que je vous appelle tout à l'heure, peut-être de nouveau pour me rendre à ce point. Aucun problème. Je vous remercie avec grandement, plaisir. Monsieur, et je vous souhaite une bonne journée dans la sagesse de notre Seigneur Résurrection. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée à vous aussi. Merci. Amen. Ça me fait peur, hein. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez eu un coup de soleil, laissez-moi deviner. Oh. Et vous n'êtes pas docteur pour rien, mon fils. Ouais. Hein, ouais, vous on sent les études et les années à potasser les bouquins sur la médecine, n'est-ce ah, pas? Ah oui, ah bah, celle-là elle était pas facile à trouver. Oui, hein. oui, ah bah j'imagine. J'ai dû aller voir au moins une vingtaine de docteurs avant que vous trouviez le bon diagnostic. Ah ouais, j'imagine. Oui, en effet, j'ai attrapé un petit coup de soleil. J'étais sur les parquets, dans les bancs de mon église, et c'est là où j'ai ressenti une forme d'irritation et puis de douleur légère, certes, mais une douleur tout de même que la prière n'a pas pu éponger. Bien sûr. Ah oui, non, ça c'est sûrement les bougies. Les bougies à Los Santos, elles tapent fort. Ah oui, ah, peut-être. Ou, moi, vous savez ce que je me suis dit, c'est le Seigneur qui m'a éclairé un peu trop fort de sa lumière. peut-être aussi, ouais. Oh, oui. Bon, vous voulez que je vous mette un petit coup de pommade du coup? Oui, de la biafine si vous avez, j'apprécie fortement. Oui, j'ai ça sur moi. Voilà, donc on va étaler ça gentiment. C'est au niveau du visage, hein, vous savez. Oui, vous inquiétez pas. C'est une longue histoire. Très bien. Ah voilà. Oui, en effet, ça soulage. Ça devrait soulager, oui. Ça soulage grandement, mais je vous remercie. Comment vous appelez, monsieur? Alors, officiellement, Dr. Walker, Dr. Sheldon Walker. Eh ben, enchanté. Officieusement, Docteur Shea. Et vous? Docteur Shea? D'accord. Ouais. Vous me permettez de vous appeler Docteur Shea? Ah, alors, avec plaisir. C'est comme ça que... Et écoutez, Docteur Shea, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis le révérend Atticus Woodhouse. Pardon? Comment? Atticus comment? Woodhouse. Woodhouse, ok, d'accord. Voilà. Enchanté. Enfin, c'est moi qui ai le plaisir de vous rencontrer. Vous êtes nouveau ici? Oui, exactement. Je suis arrivé pas plus tard qu'hier, à dire vrai. Ah oui. Et je suis là pour officier en tant que... Que révérend dans cette magnifique cité des saints, hein, comme on dit. Ouais. Bienvenue à Los Santos. Ben merci, docteur Shea. C'était une agréable rencontre que j'ai pu faire avec vous et merci d'avoir pris soin d'un amoureux de notre Seigneur. Il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Eh ben, je vous souhaite une agréable journée. Peut-être. Mais tout pareil. Peut-être que je pourrais peut-être vous inviter prochainement à une messe, peut-être. Sans vouloir vous brusquer, hein, je ne cherche pas non plus, mais je me dis que je suis un peu le berger, il est vrai, de chaque âme de cette ville. Alors, pour être tout à fait franc, je suis pas très croyant. Je suis. J'entends donc, bien. Oui. Je suis pas sûr d'être le bienvenu dans ce genre d'endroit. J'écoute votre souffrance, docteur Shea. Je l'écoute comme un malade écouterait vos soins. Mais je suis un peu votre docteur de l'âme. Autant que vous êtes le docteur de mon corps, docteur Shea. Je vois. Mais c'est bon à savoir. Merci très beaucoup. Bien. Eh bien, nous nous recroiserons peut-être. Vous savez, les voies du Seigneur sont imperméables. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Mais tout pareil. Au revoir. Du coup, je vais rappeler le taxi. En tout cas, c'est pour moi vraiment le tout début avec ce personnage-là. Et je kiffe le faire. Vraiment, c'est un plaisir de le faire. Et ce qui est marrant, c'est que quelque part, je suis un peu comme vous à le découvrir. Donc, j'espère que vous kiffez aussi, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir. Et qu'on prenne tous du plaisir, tous ensemble. Tous ensemble, nous devons prendre du plaisir dans cette vie. Car la vie n'est pas forcément une pétale de rose joyeuse et saillante qui reflète la beauté de notre monde. Non, la vie aussi... est l'épine qui accompagne la rose. Voyez-vous? Ça, c'est important. Génial. Allez, zou, en voiture. Alors, bonsoir. Alors, comment ça va depuis tout à l'heure? Oh,
non, ça va très bien, j'ai un clé entre deux. Super. Ouais, mais moi, le docteur m'a grandement bien coiffé, que dis-je? Oh, j'en perds l'esprit. M'a bien soigné, m'a mis un peu de biafine sur les joues et effectivement, j'avais quelques irritations. Alors, ils sont efficaces, hein, les deux ici, franchement. Ah oui, j'ai eu affaire à un certain docteur Chez. Ah, je connais pas trop. Gentil monsieur. On sentait qu'il connaissait son métier et sa passion. Hop, alors, avant de vous déposer, je vais reprendre vos coordonnées. Oui, bien sûr. Alors, 50, 80. Ça me fait penser au psaume 50, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est fantastique. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face. Ils s'écroulent et périssent. Tu as plaidé mon droit et ma cause. Tu as siégé, tu as jugé avec ta justice divine. Oh, merci, Seigneur. Voilà. C'est profond. Oui, alors, je ne sais pas si j'ai compris le message, mais... Oh, l'important, c'est de l'écouter dans un premier temps. 50-81, et vous m'avez dit votre nom... Atticus. Révérend Atticus. A-T-T-I-C-U-S. Woodhouse. Comme une maison de bois. Okay. Fait par un charpentier, comme était notre Seigneur Jésus. Ah, d'accord. C'est un charpentier. Oui. D'accord. Moi, je vous ai dit, je connais pas. Hein, vous voyez, vous avez appris une chose sur notre Seigneur aujourd'hui. Bah, il était charpentier. Il était charpentier. Eh bah, si vous voulez, il y a une entreprise de bûcherons. Alors, je sais pas s'ils font la charpente, mais... Ah, bah, écoutez, ça m'intéresse. Ça, là, vous venez de me dire une chose qui m'intéresse. Car comme... Excusez-moi. Comme Seigneur Tout-Puissant, pourquoi ne pas emprunter la voie du bois, Woodhouse, le bois, charpentier. En effet, il y a un lien. Peut-être que le Seigneur vous a amené sur mon chemin pour que je puisse moi-même trouver mon chemin. C'est beau, c'est profond. Alléluia. Ouais, c'est l'idée. Je dirais pas mieux, je pense. En tout cas, merci du fond du cœur. Vous êtes monsieur comment? Monsieur Demoun, vérifiez quand même qu'il y a votre véhicule parce que je voudrais pas vous lâcher là si... Oh, très bien. Et zou, me voilà dans mon auto. Eh ben, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Que le Christ, notre Seigneur, vous protège de toute âme nauséabonde. Voilà, c'est pour vous, c'est gratuit, je vous bénis. Mais je vous souhaite une agréable journée et... Et voilà, bon, je pars devant, c'est ça? Allez-y. Ah non, c'est la marche arrière, d'accord. Oula. Oh mon dieu! Oui, j'ai pas pris la bonne. Alors attendez. Hop. Oh Seigneur! Je te demande de sortir ce mauvais esprit de ce camion qui est habité par le diable. J'ai assez d'essence. Alors comment on ferme un véhicule? Non, ça c'était. Je sais pas comment on ferme un véhicule. Pour que tu te retournes pas, lève tes petites mains. Pardon? Lève tes mains. Oui, bien sûr. Tends-moi ta carte d'identité là. Oui, bien. Oui. Surtout, ne vous énervez pas, mon fils. Tu m'entends m'énerver là? Oui, voilà. Que le Seigneur imprègne cette... Ouais, je m'en bats les couilles de ton Seigneur, je vais te foutre mon Seigneur dans mes mains, dans le cul, tu vas voir. Oui, bien sûr, oui. Dans le derrière. Tends-moi la carte. Vous tends la carte, monsieur. Je vous prierai de garder votre calme. Ah ouais, regardez, c'est ma carte. Révérend Atticus Woodhouse. Non, mais ça veut rien dire ce truc. C'est un vrai prénom, ça? Oui, c'est un bon prénom. C'est comme ça que m'a prénommé ma maman. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fous là? Mais je vais chercher de l'eau. Non, ici, tu viens pas chercher de l'eau ici. Là. Mais j'ai soif. Ouais. Vas-y, remonte dans ta petite voiture, 2 secondes. Oui, bien sûr. T'as un petit GPS dans ta voiture, là? Oui, ce n'est pas le dernier modèle, j'en couche, ouais, monsieur. Il te met les rues dans ton petit GPS, là? Les rues, non, c'est un modèle bas de gamme, un modèle classique. C'est où est l'église de la ville? Ah oui, c'est là où j'officie. Vous êtes le bienvenu. Voilà, retrouvez. Toi, tu restes par là-bas, tu sais, c'est pas mal. Oui, éventuellement, mais... Ici, on n'aime pas trop les révérends, tu vois. Oui, mais écoutez, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente, mon fils.
Je pense que... Je pense bien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais être gentil, mon petit gars. Oui? Alors, attends, non, c'est pas ça que je voulais te donner. Tiens, je donne deux petits jus de pomme. Oh, ouais, oh, voilà. Vous êtes d'une générosité. Ça, hein, ah oui. Ah donc, oui. Du coup, à chaque fois que tu auras soif, tu te diras, ici, faut pas que je passe. Oui, alors, voilà. Facile, hein. Ou alors, je viens pour vous demander un jus de pomme. Ah non, 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 parce que si tu reviens, là, c'est pas ça que je vais te mettre dans la bouche. Hein. Ah oui, d'accord. Mm-hmm. Donc, ouais. tant que c'est pas un crucifix. Ah oh, bon, tiens, je ferai ça, ouais, c'est pas mal. Non, ben je ne reviendrai pas alors. Voilà, très bien. Voilà, je ne veux pas de choses qui blasphèment notre Seigneur. Voilà, donc en fait, ce qu'on a qu'à dire, c'est que la rue par laquelle t'es arrivé. Oui. Quand il passe, tu t'arrêtes pas. Voilà. Il passe. Okay. Je, et, je... La rue du, la, et toute la rue du tram qui est après là, un tram qui passe au niveau de la rue là-bas. Oui. Bah, c'est pareil, tu, si t'y passes, je, tu t'arrêtes jamais. Je m'arrête pas, bien voilà. Entendu. Et comme bien ça, entendu. Ton Seigneur, il te protège quoi. Voilà, on va faire ça. Et si jamais voilà. Vous souhaitez, par contre, si vous me permettez, avant que je vous laisse en paix, ouais, dis-moi. Si un jour vous souhaitez trouver une bonne âme charitable ou tout simplement participer à une de mes messes, vous êtes le bienvenu. Bah, écoute, j'ai ton numéro, j'ai pris ce qui est sur ta carte. C'est bien celui qui est sur ta carte. Oui, voilà. Ouais, voilà, bah, tu sais quoi, je t'appellerai si jamais je veux bien qu'on parle de. Voilà, du voilà. Seigneur démon ou pas. Voilà. Parce que je pense que vous pouvez retrouver le droit chemin de la non-violence, mon fils. Bon, je ne vous embête pas plus longtemps. Tu trouves que j'étais violent, hein ? Ah non, 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 vous avez été même d'une générosité extraordinaire. Ah ben voilà, vous m'avez fait penser à Paul. Vous savez, Paul, qui a dit « Mais il siège le Seigneur. Il siège pour juger. Il a fermi son trône. Il juge avec le monde, avec justice, et ben gouverne voilà. Les sais peuples. » derrière ce bâtiment-là, oui il y a mon Seigneur. D'accord. Et il a fermi son trône, là, tu vois. Eh ben, j'espère du fond du cœur que vous trouverez la lumière. Pardon. C'est parfait, il va trouver la lumière. Voilà. Aussi, Mais bonne journée, monsieur. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Ouais. Très gentil, ce monsieur. Bon, a priori, c'était une zone rouge. Faut vraiment que j'apprenne les zones. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Okay. Bah ça alors. Il y a une voiture en plein milieu de la route. Ça peut être dangereux, je vais appeler un dépanneur. Les dépanneurs, c'est Bénis. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ben vous tombez à pic. J'ai appelé une dépanneuse pour retirer ce véhicule qui gêne à la circulation. D'accord, très bien. Alors, dans l'idée, c'est bien. Oui. Et votre véhicule, du coup, oui. Ça, il gêne également la circulation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas mis mes warnings, c'est une erreur de débutant. Oui, parce que j'ai trouvé ce véhicule effectivement au milieu de la maréchaussée et ça m'a inquiété. Voilà mon fils. Ah non, c'est très très civique de votre part, monsieur. Je vous en prie, c'est mon devoir de bon citoyen. Bah écoutez. Et je ne vous importune pas plus et je reprends ma destinée. Très bien. Allez, bonne journée à vous, mes enfants. Passez une bonne fin de journée, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Amen. Autostop. Au nom du Christ notre Seigneur, veuillez vous arrêter afin de me prendre dans votre demeure. Y a personne qui passe par là. La brutie. Oh, super. Coucou. C'est encore moi. Alors, il m'arrive une pintade. J'ai perdu mon auto. Ah, vous avez un mal de tête? Oui, voilà. J'ai le temps de m'absenter pour aller faire un petit pipou. Et bim, mon auto avait disparu. Vous avez contacté l'assurance? Ah non, 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 je n'ai pas contacté l'assurance. Attends, j'ai demandé au Seigneur de m'aider, mais pas plus que ça. On
fait, vous connaissez la plaque de votre véhicule ? Ah, pas du tout, c'est un véhicule. C'est un véhicule de permis sans permis. C'est-à-dire que j'ai la permission, en effet, de piloter ce véhicule, mais je n'ai pas le permis. Mais j'ai le droit. Oui, c'est celui qui vous est donné par la ville. Voilà, oui, c'est okay. Ça, mon fils. Alors, normalement, c'est juste là à droite. Alors, hop, je descends de ce pas. Juste à droite, vous dites. Ouais, juste là, normalement, vous ferez... D'accord. Bonjour, monsieur. Et bonsoir. Et bonsoir. Monsieur va chercher un véhicule au foyer. Hip hip hip. Alléluia, regardez. Super. Bon, la vitre s'est cassée, malheureusement, en prenant le... Mais rien de bien grave. Je suis sans danger. C'est bon pour vous ? Ah oui, oui, regardez ça, Arthur. Nickel. On dirait une papa mobile, n'est-ce pas ? C'était vous qui étiez près du CDT ? Du quoi ? Des vignerons. Les vignerons. Ah non ? J'ai récupéré une voiture sans permis là-bas, pas là. Non, non, moi je l'ai garé, je ne sais plus où d'ailleurs. Ok. Bonjour. Je ne me rappelle plus où je l'ai garé. Mais peut-être que c'est mon véhicule. À la grille ? Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est où sur la carte ? Après la station essence, là ? Oui, juste après, ouais, c'est là. De la route. Ah, bah ça devait être là, oui, ça devait être là. C'était mon auto. Vous voyez, c'était mon auto. Mais je vous remercie d'avoir pris soin de mon véhicule, messieurs. Ah, bah, c'est. Faut remercier le bureau des shérifs et le CDT. Bien sûr, et le Seigneur. Et le Seigneur, notre purificateur. Ouais. Bien sûr. Ouais, surtout. Surtout. Hein. Sans lui, nous serions que peu de choses, mes fils. J'aime bien dire de temps en temps. Accueille la parole de ma bouche et le murmure dans mon cœur. C'est pour ça, j'aime bien. D'accord. C'est normal. Tu repasses un coup de lingette là ? C'est pas propre. Mais je crois que moi, je vous voyais encore. Ah bon ? Non, je vous détrace. C'est bon, elle brille. Elle brille autant qu'un Eucharisti. Bon, ben sur ce, je vous remercie. Je vous dois quelque chose à tous, peut-être. Oh, monsieur est tombé. Non, moi c'est bon. C'est la parole divine. Ah, oui, si le Seigneur vous a donné de l'argent, moi j'en veux bien. C'est impactant. Le Seigneur est de bonne fortune avec nous, on veut bien. Ah, vous savez, le Seigneur se débarrassait de tout bien matériel. Donc si vous avez trop d'argent, débarrassez-vous-en également. Bah justement, mais j'en ai pas. J'aimerais même en débarrasser dans un appartement. S'il avait un logement social en tant que bien matériel. Voilà, là, pour vous n'avez... Non, attendez, je ne peux pas entendre quelque chose comme ça. Quand je vois une âme en détresse, je me dois d'intervenir. Car c'est ma mission en ce bas monde. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? J'écoute votre détresse. J'écoute votre message. Bah, je cherche à acheter un appart depuis 2 semaines. Oui. Moi, je pense qu'on est tous arrivés en se faisant voler nos affaires déjà pour commencer. Vraiment ? Ah, voilà, du coup, c'est compliqué. mais qui donc vous a volé vos effets ? Non, mais c'est à l'aéroport, ils volent les valises. Oh. Oh là là, ça me fait mal en tout. Et une belle chemise. Avez-vous prié votre Christ, Rédempteur ? Ouais. Et alors ? Pas de... Bah pas de signe, pas de nouvelles. Ah, c'est étonnant. Hein ? Oui, non, après, non, normalement, ça... On dirait pas et... Vous officiez de temps en temps à l'église ? Je suis arrivé pas plus tard qu'hier. Et en effet, je vais officier à l'église d'ici peu. Je ferai effectivement des messes et des... Et peut-être même des mariages, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup. Attendez, oh, c'est quoi votre numéro ? Un petit verset ? Vous pouvez me donner votre numéro ? C'est le 5081. C'est quoi votre nom ? Verset 3, chapitre... Révérend Atticus Woodhouse. Pour vous servir ainsi que le Messie. Comment vous avez dit Vaticus ? Ah non, Atticus. Alors, Révérend Atticus. Alors, c'est un... Ah oui, je sais, c'est peu commun. C'est peu commun. Atticus. C'est maman... Il a dit Atticus. Non, pas la chute. Atticus. Oh, je suis pas foutu. Oh, Atticus, tout court. Atticus Woodhouse. Comme une maison de bois. Woodhouse. Oui, ouais, Woodhouse. C'est pas mal. C'est joli. Ouais, Et vous m'avez dit 555 ? Non, pas du tout. Non, c'est quoi le numéro ? J'ai dit 5081. 5081. 5081. Oui, comme l'épiphytre. L'épiphytre de Paul. Lorsqu'il était sur son cheval à dos de chameau. 5081. Voilà, c'est pas un moyen mémotechnique pour retenir, bien évidemment. Comment te prénommes-tu, mon fils ? Ron. Ron ? Oui. D'accord, Ron. Ben voilà, Ron. Tu as tes réponses. Ah bah parfait, bah merci à vous. Merci à toi, Ron.
Bah merci à vous. Oui, et au Seigneur Christ Rédempteur. Parce que le Seigneur te répond au jour à ta détresse. Que Dieu, que le Dieu de Jacob, qui plus est, du sanctuaire, t'apporte son secours. Voilà. Et ça, c'est important que tu l'aies en tête tous les matins vers 14h. Ok. Oui, oui Arthur. Moi c'est le docteur Shell. Je l'ai rencontré ce matin, il m'a soigné pour une petite rougeur. C'est un docteur formidable. À gauche ou à droite? Le monsieur juste là, qui marche un peu de façon efféminée d'ailleurs. Il a un stock. Oh, dis donc, c'est moi qui sonne. Oh bah c'est mon téléphone, c'est la première fois que j'entends sonner. Ah, excusez-moi, je réponds. Allez. Allô? Oui, bonjour mon père. Oui, allô, à qui ai-je l'honneur? Oui, j'étais un des taxis qui vous a accompagné hier. Ah oui, je suis avec votre collègue Arthur. Oui, d'accord, ok. Agréable personne, hein. Il est gentil, très serviable, très, très à l'écoute de très taxi aussi, ouais. Non, ça a été. Ah, ok. Oui, on vient de me dire à l'instant que vous alliez faire des messes. Oui, effectivement. Effectivement, c'est en cours de programmation. Hein. Je m'accorde le temps de m'installer dans l'église. Là ce matin, j'ai pu y mettre quelques vêtements dans la penderie, etc. Et faire un petit peu de ménage également. Et sous peu, le temps que je m'organise un petit peu, nous allons effectuer peut-être certainement la première office. D'accord, ok. Bah, en tout cas, sachez que nous, demain, tous alentours de 14h, on sera là. Et ben, ça me touche énormément. Ça me touche énormément et je compte sur votre présence. Comptez sur nous, vous en faites pas mon père. Si mon fils, si vous pouviez, dans votre bonté, dans votre générosité, en parler à le plus de monde possible afin que nous soyons ensemble à cérémonier. On essaye, mais la bonne parole est difficile à prêcher. Je sais, j'entends bien cet effort et sachez que nous allons y remédier. Mais merci. J'espère, père. Merci j'espère. Mon fils, merci. Et ben, c'est avec grand plaisir que je vous accueille demain, bien évidemment. Très bien, ben, à demain. À demain mon fils. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous. Oula. Il est parti, oui. Donc le taxi. Oh. Oui, oh Arthur, flûte. Bon ben. Pourquoi? Ah ben non, je voulais le remercier de sa générosité, tout simplement. Oh, vous inquiétez pas, je pense qu'il le sait. Oui. Bon ben mes fils, je vous abandonne, je vais reprendre mon auto et puis je file à l'église. Yes. Hein? Allez, que la lumière du Christ vous éclaire. Ah ben vous revoilà mon fils. Ouais, yo. Alors, voyons voir. Mais il n'y a personne. Ça arrive, j'ai fait un appel. Ah super. Très charmant, très rustique. Vous savez, ça a un petit air des restaurants italiens qu'il y avait à Baltimore. Ouais, les locaux ont changé. C'est d'une splendeur saisissante. Bon, je passerai bien évidemment l'éponge sur les affiches provocatrices, hein, qui incitent quand même à une certaine démesure des aspects charnels de la femelle. Ouais, c'est... Non, mais ça a changé. Avant, c'était différent, mais... Oui, mais je ne juge pas. Bonjour, mon fils. Non. Allez-y, je le frappe. Il y a un collègue qui arrive. Je vous écoute. Alors, bonjour, mon fils. Bonjour. Déjà, je me permets de me présenter, révérend Atticus Woodhouse. Et je viens vous voir pour user de votre générosité et des bons qui m'ont été remis. D'accord. Des bons de nourriture pour me substanter au quotidien. Ouais, je vois Jean, ouais, je vois Jean. Voilà. Donc que dois-je faire? Je dois vous offrir le ticket? Comment ça se passe? C'est ça, et après tu peux choisir, ce que tu veux, que ce soit en nourriture ou boisson, et puis voilà. Est-ce que tu peux mettre 5 nappes? D'accord, 5 c'est, je veux des eucharisties. C'est une boutade. 5 jus de pomme, 5 jus de raisin. Ah, c'était une blague, d'accord, j'ai pas compris, je suis désolé. Oui, non, c'est une blague typique qu'on fait dans les congrégations annuelles. Paroissale, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, je vous offre. Alors, j'en ai 5, effectivement. Ouais. Il faut que je vous donne un, c'est exact.
Alors, si tu as des tickets nourriture et boisson, tu peux faire un menu ticket. Avec un menu ticket, tu peux avoir, comment ça s'appelle, 4 trucs de nourriture, genre des burgers, des trucs pas comme ça. Pas de gros mots, mon fils. J'ai dit un gros mot. Vous avez dit le mot M-E-R-D-E. Ah ouais, moi je le dis tout le temps, tu sais quoi, je vais pas m'excuser. Mais ce n'est pas grave, personne t'en... Ça, et puis tu peux avoir de la boisson, genre 8, et puis des petits desserts. Eh ben écoutez, si cela ne vous inquiète pas, je veux bien en effet un menu. Ok, on va partir là-dessus. Tu prends combien de menus? Je vais prendre 2 menus, je pense que c'est raisonnable. Dans un premier temps, j'en mettrai un peu dans l'église, dans le frigidaire. Parce qu'on a un petit frigidaire que l'archevêque nous a acheté. Ouais. Une petite merveille. Ah oui, une petite merveille. D'accord. Eh ben écoute, vas-y, donne les tickets, puis je vois ce que je peux te préparer. Bien sûr, mais je fais ça. J'obéis à votre commandement. C'est peut-être le 11e. C'est peut-être le 11e, hein, parce qu'il y en a déjà 10, c'est pour ça. C'est une autre blague. Je sais pas, mais tu me fais galerie de ouf. Ah bah écoutez, hein, le sourire est avant tout la première arme que notre Seigneur nous a donnée face aux mécréants et à et aux personnes rupestres. Alors je vous donne ça. C'est ça. Ouais, vas-y. Alors, 2 de boisson et 2 de. C'est bien ça, hein? Ouais, comme ça, je te fais 2 menus. Et voilà. Alors, 2 de boisson et. Regarde, il manque une 4 pour moi, j'attends. Ouais, ça marche. 2. Oula. Voilà. Super. Au niveau de la nourriture, qu'est-ce que tu préfères? Des burgers, des pizzas? Les burgers, ils sont super bons. Je te conseille les burgers. Après, il y en a, je sais pas s'il en reste au poulet. Il y a des double cheese, il y a des ACDC, c'est avec une sauce spéciale ACDC, on peut pas dire la recette. Il y a des trucs au poisson aussi, ils sont super bons les poissons. Et ben vous savez quoi? Je vais prendre le poisson. Je vais les prendre au poisson. Au pire, que c'est un mix. Oui, bah, tu veux un mix? Vous savez quoi? Il faut savoir vivre un peu avec de la folie de temps à autre. Je vous laisse faire. Soyez le créateur de ma gastronomie. Ça marche. Au niveau des boissons, des restrictions, des bulles, pas des bulles, du sucré. Surtout pas d'alcool. Pas d'alcool, ouais, non. Ah non, y a pas d'alcool. Pas une seule d'accord. Bulle. D'accord. Et dessert, pareil, je te fais un assortiment. Un dessert, volontiers. Ouais. T'es pas allergique aux fraises ou aux pommes? Non, les fraises, non, ce sont mes amis, hein, les fraises. Ah bah t'as raison, les fraises, ça déchire. Bien sûr. Ok, et eh ben ça marche. Je vais mettre mes petits gants et puis je te prépare ça. Ouais, voilà. Très bien, merci. Ouais, nickel. On sent qu'il veut regarder en plus le bâtard. On sent qu'il. Alors, oui. Le révérend. Tiens, déjà, j'ai ta boisson. Super. Tiens, je te mets. Ah non, pas d'alcool. Ah oui, c'est sans alcool. La frayeur. T'en fais pas. Je t'ai dit c'est très gentil. Et puis du thé, tu vas voir, il est super. Super. Oh, du thé, j'adore ça. Ouais, ça. Je t'ai préparé aussi des petits chaussons aux pommes. Oh, c'est bien aimable. Avec, je t'ai mis des petites tartes aussi. Alors rassurez-moi, tout est fait maison, hein, on est d'accord. Ah bah, bien sûr, et préparé à la minute. Ah, c'est pour formidable. Ça, ça prend un petit peu de temps. Bien sûr. Et puis hop, ça c'est pour moi, c'est cadeau, c'est des petites pommes potes. Ouh. Ça reste entre nous. Ça me fait plaisir. Alors là, et puis voilà. Je vous dis un truc là, comment vous vous prénommez? Ouais. Vous prénommez comment? Moi, je m'appelle Aiden. Aiden, ouais. Je crois que le Seigneur m'a mis sur votre route parce que mon péché mignon, effectivement, ce sont les pommes potes. Voilà. Délire, bah, j'adore en offrir. Et ben, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que vraiment, j'en ai plein dans mon, dans partout en fait. Ah ouais, chiant. Oui. La dernière fois, j'en ai retrouvé sous la semelle de ma chaussure. J'ai fait tiens une pomme pote. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon ben. Je l'ai dégusté. Ah bah elle est mieux dans ton ventre maintenant. Ah bah oui. En tout cas, oh, merci. Retombe, sinon tes steaks ils vont griller. Oui, bien sûr, je vous dérange pas plus longtemps. Alors là, c'est la surprise du chef, si je comprends bien. Tu vas voir, elle est délire. C'est piquant, c'est un peu piquant. J'aime bien quand c'est piquant. Il y a un petit truc épicé, mais tu le sens pas en fait. C'est sans alcool. Hein. Non, bon, tout est sans alcool. D'accord, tout est bien. Très bien. Avec des produits locaux et tout. C'est formidable. Salut les beaux gosses. Enfin voilà. Bah, en tout cas, merci du fond du cœur. Mais ça me fait plaisir. Je te regarde là droit dans les yeux, de cœur à cœur, et vraiment, merci. Eh ben, de rien. super. Bah, écoutez, je vous souhaite une très agréable fin de soirée ou journée, je ne sais plus où j'en suis.
et peut-être à une prochaine fois, dans l'espoir de recroiser votre chemin et que le Christ Rédempteur vous accompagne dans votre quotidien. Eh ben ça marche, on fait ça. Alléluia, mon fils. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, j'ai demandé une chose au Seigneur. La seule chose que je cherche et que chaque croyant, que chacun d'entre vous doit chercher tous les jours de sa vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi sur des routes sûres, des routes qui ne seront pas parsemées de personnes malveillantes, hostiles, pas très sympatoches. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire, mon Créateur Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-moi la force d'être ton bras armé. Face, excusez-moi, le micro bouge un peu. Face à notre adversaire commun, qui sont les impies. Le non-croyant n'est pas l'ennemi du croyant. Voilà.